Et salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo de petit achat fait hors vide-grenier. Donc je peux vous dire, comme vous avez pu voir dans la miniature, on s'est fait plaisir, beaucoup de choses variées, du DVD, du jeu PS5, du Switch, de la Wii U, de la PS4, même de la Xbox One, voilà, pour hommage à certains qui me suivent, qui adorent le vert, donc dédicace à toi. Donc petite intro, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous savez, la marche à suivre, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne de fou. Allez, générique et à tout de suite. Here we go! Et donc de retour les amis, et cette fois-ci je peux vous dire que ce mois-ci je me suis fait plaisir et vraiment à petit prix. Donc pour commencer, on va faire un peu de lecture moyennement avec un peu des cartes à coller et à collectionner. Voilà, je l'ai acheté, une nouveauté qui date de la semaine dernière, c'est le petit Super Mario. Voilà, avec la petite lumière. Voilà, et vous savez que je fais la collection des petites cartes. Et cette fois-ci, ils ont sorti la version un peu autocollante. Et comme vous voyez, le prix de lancement est plutôt sympa, 4,95 €. Il y a quatre petites pochettes, c'est des autocollants. Et je crois qu'il y a aussi des cartes exclusives, mais je ne sais pas s'ils sont autocollants, les versions collector. Je sais que le paquet est à peu près vendu 95 centimes, 99 centimes, pratiquement 1 euro. Donc on va voir s'il y a des belles opérations. Et pareil, s'il y a des amateurs qui ont commencé la collection, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de faire des petits échanges. Parce que je pense que d'ici la sortie de la vidéo et où je vais faire peut-être avec mon fils, je pense que j'aurai des doublons. Donc n'hésitez pas. Et petite dédicace, voilà, à Thierry, à la salle de jeu de Perry, qui commence aussi la collection. Je pense qu'il va bientôt commencer la collection, parce que je l'ai mis sur Instagram et sur mon petit compte Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre. Voilà, je fais un peu de Twitch, un peu de YouTube en mode direct. J'ai même lancé un petit Discord aussi pour ceux qui veulent échanger les bons plans. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. Ça, affaire à suivre. Donc dites-moi, je ferai des t-shirts éventuellement pour vous dire l'avancée. Donc plutôt content, et on va ouvrir ça pareil dans un short pour voir la qualité du papier que propose le petit stickers et aussi les petites images si ça correspond à la qualité Panini top ou pas. Allez, on continue. Vous avez peut-être pu voir cette semaine ou la semaine dernière, où elle va bientôt sortir, mais dans très peu de temps. Je vais, depuis très peu de temps, depuis le début de l'année, à une ressourcerie. Et en fin de compte, il y a eu beaucoup de dons ce mois-ci. Et la ressourcerie a mis en vente pas mal de petites choses. Voilà, une petite pile comme ça. Vous allez me dire, c'est quoi? Et bien, en fin de compte, c'est que des mangas. Donc forcément, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être toujours intéressant, et en toute transparence, je les ai pris pour éventuellement aussi des futurs échanges, parce qu'il y a toujours des amateurs. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, pour un prix comme ça, ça vaut largement le coup, et ça fait du bien aussi à la ressourcerie. Donc je les ai payés 50 centimes pièce en toute transparence, et je vais vous montrer. Donc, et comme vous avez peut-être pu le voir, vous savez à peu près les titres que c'est. C'est Saint Seiya pour commencer. Donc le petit Saint Seiya, le volume 11, qui comprend l'épisode 61 à 66, avec le Capricorne et puis le Cancer, si je ne me trompe pas. Non, le Scorpion. Voilà, on va montrer ça rapidement. On va essayer de faire vite. Je vous montrerai peut-être les premiers ou les deux premiers, parce que après, sinon la vidéo risque de durer. On continue le petit Saint Seiya. Je pense que c'est le début de l'épisode Asgard. Donc le numéro 13, voilà, donc franchement plutôt sympathique. Ils sont tous en très bon état, et franchement c'est plutôt sympathique. On continue avec l'épisode 15, qui comprend les épisodes 86 à 91. Donc là c'est le volume, 15, voilà. L'autre c'était l'épisode, le volume 13. On continue, celui-ci, volume 12, avec le Verseau, épisode 67. À 73. Alors celui-là, par contre, je pense le garder. C'est la version où il y a les quatre films, donc La Légende de la Pomme d'Or, La Bataille des Dieux, Les Guerriers d'Abdel et Le Temple de Lucifer. Donc franchement plutôt sympathique. Et celui-ci me parle pas du tout, donc je pense qu'il n'est pas commun, et ça m'attache. Je suis plutôt film que la série, donc à voir
si vous me dites pareil, dites-moi en commentaire, hein, donnez-moi des infos que je ne connais pas, c'est avec plaisir que je les garderai dans la mémoire. Et pour Saint-Cyr, c'était tout. Donc, et on va passer maintenant, comme vous avez pu le voir dans le titre, à des Dragon Ball Z, j'allais dire DBZ. Le volume 17, voilà, où le combat avec Freezer se passe, comme vous voyez l'image. Le volume 24, où on commence à apprendre que Cell arrive dans les épisodes. Le volume 27, voilà, où c'est la fin, je crois, de Freezer. Le volume 34, où bah, je crois que Sangoku abandonne et il dit que c'est Sangohan qui va terrasser Cell. Et le numéro 33, voilà, où il y a bah, le combat, le fameux combat entre Cell et Sangoku. Et comme vous voyez, hop, je fais un petit récap. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, bah, j'ai eu pour bah, 5 euros. 5 euros ça, donc franchement, c'est vraiment excellent en termes de prix. Et ça va manger, comme on dit, ça mange pas de pain. Et si on peut faire plaisir et se faire plaisir en même temps pour un autre jeu, bah, c'est l'essentiel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser ou pas. Allez, on continue. Je peux vous dire que là, une grosse dédicace, je l'ai même très peut-être ici, à Gwen et Jérôme qui travaillent dans le Micromania que je squatte souvent en ce moment, car il y a pas mal d'offres. Et où je tourne cette vidéo, ils proposaient, je crois, des jeux à 9,99€. Comme d'habitude, voilà leur promo. Mais sur tout l'étendue des jeux, je crois, PS3, 360, PS3, PS4, voilà, il y avait pas mal de petites choses. Et donc, c'était très intéressant. Et la promo qu'ils faisaient, voilà, gros plan sur moi, il y avait pas mal de jeux à 1€. Donc, franchement, ça mange pas de pain, encore une fois. C'est des titres, voilà, de seconde zone ou qui datent de très longtemps. Mais je les ai pris parce que j'en ai pris 3-4, je crois, de mémoire. Et on va vous proposer, bah, comme vous l'avez dit, dans le concours des 750 abonnés. Donc, je vous invite, pareil, toujours à vous abonner. On arrive doucement, mais tranquillement. Je ferai deux gagnants. Et donc, pour ces lots, il y aura un Destiny. Voilà, deux, comme vous voyez, le petit à 1€. Le petit Anthem, 1€. Voilà. Je vais le poser tranquillement ici. Et j'ai pris deux fois le même, le petit Battlefield 1, ici, vous voyez. Et puis le deuxième, pareil, 1€. Voilà. Donc ça, il y aura déjà de l'eau. Voilà, comme ça, on va faire un truc comme ça. Hop, peut-être comme ça. Et l'autre comme ça. Donc déjà, il y aura de l'eau et des petits jeux sympathiques pour vous. Donc c'est le moment de vous abonner dès qu'on arrive au 750. Je lance tout ça. Dans les promos, comme je vous l'ai dit, ils faisaient les deux pour 9€, pour 10€ en gros. Donc je me suis fait plaisir aussi. Alors on va faire comment? On va faire comme ça. Voilà. Je suis pris le petit Balan Wonderworld. Donc forcément, bah, on sait que ce jeu a été décrié, que vraiment bah, ça a fait chuter malheureusement l'éditeur. Et je me suis dit, bah, pour 5€, un jeu Switch qui a même a été mal noté, je me dis pourquoi pas, ça se tente et puis ça se revend entre guillemets bah, au prix qu'on l'a acheté, 5€. Donc voilà, on va tester ça et on va voir réellement, on va se donner son propre avis et voir si c'est bien ou pas. Le deuxième, je suis très content parce que c'était une exclue Xbox One et c'est le petit Record. Voilà, donc franchement, c'est un jeu que je cherchais parce que j'aime bien les exclusivités sur chaque console, et donc celui-ci en fait partie, et donc c'est plutôt cool, comme je vous dis, et ça fait 5€ pièce, donc c'est des petits jeux, mais c'est compliqué même de les trouver en brocante, donc bah, merci à Micromania de pouvoir profiter de cette petite offre et avoir des jeux bah, qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, 5€ pièce, donc une première série à 10€. On continue, j'ai pris une deuxième lot de 10€, voilà, et spécial Wii U. Alors là, vous le savez, depuis peu, bah, mes enfants adorent danser sur la télé, donc je leur ai fait un petit Just Dance 2015, je crois. Donc ça mange pas de pain, encore une fois, mais 5€, pareil, pour se faire plaisir en famille et puis avec les enfants, ça me suffit largement. 5€, c'est le max que je peux mettre ou que je veux mettre. Et puis le deuxième, c'est le petit Nintendo Land, voilà, un jeu, bah, je pense qu'il commence à se faire rare. Donc pour 5€, le seul petit bémol, comme vous voyez peut-être là, je crois, voilà,
Il est en haut là, il est un peu abîmé. Bon, encore une fois, c'est des jeux multijoueurs et puis en famille, ça mange pas de pain et c'est l'essentiel, c'est pour s'amuser. Donc 5 euros, c'est très bien, c'est le maximum. On continue. Alors, franchement, très content. J'avais un bon de 10 euros. J'avais un bon de 10 euros à Micromania. Je me suis pris un jeu sur PS3. Et oui, bah, c'est pas courant. Et c'est à peu près la cote actuelle du jeu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre je pense à deux. Allez, confirmez-moi dans les commentaires si le jeu correspond à ce tarif-là. J'ai pris un classique HD. Et bah, c'est le petit Hitman. Voilà. Donc le HD Trilogy qui comprend les trois grands classiques de la saga Hitman. Enfin proposé dans une HD époustouflante. Voilà. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et comme vous voyez, il était à 19 euros avec le petit bon que j'avais. Bah, ça me l'a fait à 9 euros. Donc très content de le rentrer. Bah, en termes de classique HD, je crois qu'il m'en manque juste 3-4, mais c'est les plus cotés. Donc je crois qu'il me manque le Killzone qui est le plus dur à récupérer. Le petit Sly, le petit Ratchet, je crois, de mémoire. Et le petit Silent Hill. Voilà, c'est ça. C'est les 4 qui me manquent. Et on va finir cette petite vidéo avec du lourd. Voilà, on reste toujours sur Micromania. Ils m'ont fait un petit cadeau parce que, voilà, comme je vous dis, ils me connaissent à force. Et j'étais tenté de pas le prendre. Il m'a dit, bah, si vous voulez, il nous en reste un. On le donne, si tu veux. Donc, bah, j'ai dit, bah, pourquoi pas, ça m'intéresse toujours parce que, encore une fois, ça fait des petits objets sympathiques. C'est le petit Steelbook du jeu Switch, Sherazade et the Lost Demon. Voilà, Sherazade. Et le dernier démon, bah, c'est l'épisode un peu annexe en termes de gameplay, vraiment autre que Bayonetta, qui raconte l'âge de Bayonetta à l'âge de 10 ans avec son doudou ou sa peluche qui se transforme en démon. Donc voilà, c'est le petit Steelbook. Bon, franchement, c'est des petits objets super sympas, appréciables, qu'on garde dans la collection. Donc merci à eux, encore une fois, petit coucou à Gwen et Jérôme. Allez, on continue cette fois-ci. Grosse erreur peut-être de prix ou liquidation de stock. J'ai pu récupérer un gros jeu à 29,99 € chez la Fnac. Et alors que la version standard est encore plus chère. Vous allez me dire, mais quel jeu? Bah, j'ai récupéré le petit Midnight Sun, comme vous voyez, et c'est l'édition Legendary qui comprend 28 skins de plus, le Season Pass et puis le jeu en entier. Donc encore une fois, bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que franchement, ce type de jeu m'intéressait beaucoup, l'univers de Marvel et puis le Tactical RPG, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, c'est un peu à la XCOM ou Lapin Crétin, voilà, c'est vraiment des univers particuliers, il faut vraiment que j'accroche ou pas, selon c'est vraiment l'univers. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, Season Pass, on va voir. Je pourrais peut-être aussi revendre que le Season Pass et garder le jeu. Donc on va voir si je vais tester ça. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt pour faire du live dessus parce que le jeu de cartes, je pense que c'est pas très fun à regarder. Donc encore une fois, je vais le tester et puis si j'aime pas, bah hop, il repartira peut-être à la revente d'ici même plusieurs jours. Le temps peut-être que cette vidéo sortira, il sera peut-être déjà vendu. Ça dépend, je vais voir si j'aime ou pas. Ou on attendra la version standard, peut-être pas très cher, à moins de 10 euros. Comme fut le cas, bah, comme vous voyez, bah, les petits Marvel comme les Gardiens de la Galaxie ou The Avengers, bah, qu'on trouve facilement maintenant à 5 euros. Donc on verra bien. La patience est une verdict, comme j'ai dit. Et donc là, pour le coup, bah, j'ai saisi l'opportunité à 29 euros, alors que cette édition, normalement, est vendue une 50 euros ou 60 euros. Voilà. Et on finit par un petit achat Vinted. Franchement, très content. J'attendais de le trouver pas très cher pour le rentrer dans la collection Batman. Et oui, voilà, je vous ai donné un gros indice. Il est sorti. Dites-moi aussi dans l'univers si il fait partie de, j'allais dire, l'univers Arkham Asylum. Bah, j'ai récupéré le petit Gotham Knights. Ouais, neuf encore sous blister. Donc, à voir ce que le jeu propose. Vous voyez, alors je le cherchais. Le petit blister d'origine, le seul petit bémol, je l'ai acheté sur Vinted, et comme vous voyez, peut-être qu'il a un petit morceau, mais bon, encore une fois, on va pas se plaindre. Donc un petit truc sympathique, voilà, je voulais me le tester parce que j'adore la série des Batman, bah, nouvelle génération depuis la PS3 et comme l'épisode Arkham Asylum. J'ai une petite collection, comme je vous ai fait la dernière fois, peut-être pour
God of War, je vous montrerai peut-être un jour toute la collection Batman. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ou pas. Donc en attendant, il est là. Je l'ai payé 20 € pour être précis, port inclus sur Nintendo. Donc à peu près voilà, 17,50 € de mémoire. Donc franchement, un jeu sous blister, c'est parfait pour moi. Et voilà, donc c'était tout pour ce mois-ci. Et franchement, bah, comme vous avez vraiment, il y a eu du varié. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, pardon. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Et comme d'habitude, likez, partagez et commentez. Dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et dites-moi si le jeu Sherazade vaut le coup ou pas. Allez, à bientôt les amis. Ciao!